Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade de Coppet pour vivre avec vous ce match du haut de classement qui va mettre aux prises Vevey United qui pointe actuellement la 5e place à l'équipe du BSC Young Boys, 2e garniture avec ses 11 points, 1 point d'écart entre les deux équipes et l'importante victoire au bout de ce match pour l'une ou l'autre équipe hein, dans le cadre des courses pour les finales de promotion. On est très heureux de vous retrouver pour cette partie. Bien évidemment, un danger de moins aussi pour l'équipe de Vevey, c'est Mambimbi avec ses 10 buts marqués depuis le début du championnat. Ça en fait le meilleur buteur du côté de Vevey, c'est Bouniakou avec un ballon justement à destination du numéro 77 Veveyzan. Msadek, très joli contrôle. Ballon qui revient sur le pied de Raïs Rochin. On est dans la 11e minute de jeu. Oh, joli le crochet de Raïs Rochin. Il est contré finalement avec Msadek. Une roulette, c'est très bien vu de la part d'Msadek. Le tir est dans la direction du portier. Aucun danger là pour le dernier rempart. Ce ballon qui était contré par les joueurs de la capitale, contré à leur tour avec la récupération de ce ballon. Interférence, le coup franc est pour les Veveyzans avec un long ballon mis en avant. C'est bien joué là sur Bouniakou avec un très joli contrôle. Encore une fois, Bouniakou, le décalage de tir à terre. Et la bonne prise de balle de Valerio Zbinden au dégagement pour sa formation. Le match qui commence à s'animer, il a fallu attendre une dizaine de minutes. Raïs Rochin, omniprésent hein, dans son couloir droit, qui a levé le bras. On va transiter par les pieds de Kanté. Ça revient sur le pied de Raïs Rochin, très très présent dans ce début de match avec une talonnade. Encore une fois, c'est très bien joué là, techniquement. Raïs Rochin dans les 16 de centre. La reprise de Gabriele qui est détournée. Quelle occasion pour le Vevey United avec ce sauvetage in extremis devant la ligne. Les Bernois dominés hein, dans ce début de match. Après 18 minutes, ça revient encore une fois sur Raïs Rochin. Deuxième poteau et cette fois prise de balle irréprochable de Zbinden. Les Bernois ont eu chaud, mais les Bernois ont trouvé les moyens pour contrer cette nouvelle offensive vaudoise. Avec ce pressing, encore et toujours des jaunets bleus là devant le joueur bernois Kassongo. Les Bernois qui s'en sont sortis à leur avantage avec cette passe d'Oshouli. Attention, avec cette rentrée dans les 16 mètres, un crochet, un centre, premier poteau, un ballon qui est finalement relâché par Zimmermann avec le coup de sifflet de l'arbitre, peut-être pour une position de hors-jeu. Alors que Cédric Zimmermann est en train de réclamer une faute à l'arbitre. Les joueurs veveyzans là qui vont pouvoir se dégager. On est pratiquement au milieu de cette première mi-temps. Avec le contre, encore une fois. Mais quel pressing, quel début de match. Des Veveyzans qui ne trouvent pas l'ouverture pour le moment. Avec une belle passe de Msabeg sur Bouniakou, sur l'aile gauche. Là, il a du soutien de l'autre côté. Gabriele, il tente le tir. Oh, il était tout seul. Il était tout seul, Gabriele. Deuxième poteau. Finalement, Bouniakou, meilleur buteur, qui a choisi l'option du tir. Ça aurait aussi pu faire mouche. Et finalement, ça passe à côté du but défendu par Zbinden. Il faut saluer encore une fois la présence de ce nombreux public aujourd'hui présent du côté du stade de Coppet. Il y a du spectacle du côté de Coppet également et bien évidemment le public l'a compris. Les supporters sont là pour vivre des émotions. Pour le moment, 0-0 dans ce match et les Veveyzans qui peuvent repartir avec ce ballon mis en avant par Kazic sur le couloir. On travaille beaucoup depuis ce couloir droite avec Rocha la tête, Raïs Rocha et la tête finalement de Gabriele. Un ballon qui va passer par-dessus la transversale. Et pas de but. On pourrait aisément avoir un score de 2 ou 3 hein, en faveur des jaunes et bleus.
avec cette balle en chandelle, finalement contrôlée par Gabriele. Il est athlétique, Gabriele, qui parvient finalement à servir Bouniakou en avant. Il a du soutien de l'autre côté, Bouniakou qui va tenter d'y aller. Bouniakou, peut-être du gauche, il sert sur le côté droit, c'est bien joué, Martins. Le tir sur la transversale, avec la récupération de Bouniakou, quelle occasion pour les Veuvezans avec un nouveau centre, un ballon qui est repoussé, avec l'arrivée de Gabriele, le tir, ça passe à côté. Quelle occasion encore une fois pour le Veuvez United, deux possibilités là, coup sur coup pour Martins et pour Gabriele, les Bernois qui ont eu très très chaud sur cette double opportunité, mais qui préserve pour le moment le match nul 0-0 malgré cette grosse pression mise par les hommes de Christophe Kachili. Les joueurs bernois au bénéfice de ce corner, on est dans la 39e minute de cette première période avec ce ballon mis en arrière, attention à Rieder, le centre rater de Rieder, un ballon qui a repoussé, le tir s'est sauvé devant la ligne avec un ballon qui va finir sur le point, finalement la pensée dans les bras de Zimmermann avec un nouveau tir. Quelle occasion là pour Esteban Pettigna qui vient d'ailleurs comme Mambimbi de signer avec les BSC Young Boys, de prolonger son contrat pour la première garniture de Young Boys. Parmi les très très bonnes nouvelles, ces jeunes joueurs qui animent le championnat et notamment qu'on a le plaisir de retrouver dans ce championnat de Première Ligue. C'est remis encore une fois dans l'axe du terrain. Attention à Kassongo. Kassongo qui met à côté de lui. On décale, flanc gauche. C'est bien joué là. On fait bien circuler côté bernois avec un cuir qui va passer devant tout le monde. Qui reste dans les 16 mètres avec un centre et une position de hors-jeu finalement de Joël Riss là sur ce centre. Au deuxième poteau, il avait fait le travail, mais il était en position illicite. Ce qu'a signalé fort justement l'arbitre de ce match. On le rappelle, monsieur Tester, Alexander Tester, très très bon arbitre d'ailleurs sur cette rencontre à 5 minutes du terme de cette première période. De ce ballon par les Veuvezans, une longue transversale, on s'est beaucoup appuyé encore une fois sur le pied de Rice Rocha qui met devant lui avec ce passage finalement et le contre, ouais, c'est proprement fait mais il y a quand même eu contact malgré tout avec Hamada et finalement c'est le défenseur qui a eu le dernier mot, Yannick Ochouli qui a contré ce ballon. On tarde quand même à sortir ce ballon, ce que font les Veuvezans. Peut-être une dernière action sur cette première période. L'accélération de Pereira qui met dans le couloir. Encore une fois, Ochouli, il était très présent comme Rice Rocha. De l'autre côté, long ballon. Et ça va venir de l'autre côté, flanc droit, Rieder. Rieder qui va peut-être laisser cette balle à côté de lui. Non, il l'embarque finalement. Il préfère remettre derrière sur son capitaine Cabella qui revient sur ce côté avec un centre, une reprise de l'extérieur du pied da Silva Ferreira et finalement ce ballon qui passe à côté du but de Zimmermann. Pas beaucoup d'occasions pour Young Boys par rapport à Vevey. Il ne faudrait pas que les Veuvezans aient à regretter leur manque de réalisme sur cette première période. On l'a vu avec la latte, avec le tir qui est passé de peu à côté. Et en finalité, alors qu'on va gentiment arriver au terme de cette première mi-temps, ce score de 0-0 dans ce match au sommet entre le 4e et le 5e. Il y a des points très très importants à prendre. L'arbitre qui met un terme à cette première période, ça laisse en tout cas espérer une très très belle seconde mi-temps de ces deux équipes qui nous ont livré un très très joli spectacle. Avec ce corner de Stevo Gazic dans cette troisième minute de la deuxième période. On lève le bras, on va chercher un coéquipier démarqué peut-être au deuxième poteau. Ah, c'est au premier finalement, c'est repoussé Bouniakou qui ne peut pas redresser suffisamment la trajectoire du ballon pour le glisser au fond du but bernois. Encore une grosse occasion là pour les jaunes et bleus de venir inscrire cette première réussite de la rencontre qui met quand même, il faut bien l'avouer, du temps à venir. On fait circuler le ballon sur une petite portion là avec Gabriele qui va venir à côté de lui. Ce service sur le côté de Fernandez, Greenwood, Martins. Martins, oh, la passe, c'est bien joué Martins avec Hamada, le crochet d'Hamada, le tir, quel sauvetage! Quel arrêt de Valerios Lindon qui met ce ballon en corner sur une action à montrer aux écoles de football au niveau de la circulation du ballon. Quelle belle occasion encore une fois de marquer. On a dit, le grand danger c'est d'encaisser un but, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions côté bernois, il y en a une ou deux d'occasions en première mi-temps avec un ballon enroulé, ouais, qui est détourné finalement par Maloula qui était monté, qui ne trouve pas le cadre. Ça a été dangereux sur ce ballon qui est retombé très vite devant les 5 mètres.
finalement plus de peur que de mal pour la défense veuvezane et Zimmermann qui va pouvoir délier les visiteurs. À la relance, on va mettre ce ballon, on reste dans l'ombre central avec Pereira, Andrade, attention l'accélération maintenant de Maier, le tir de Maier qui passe à côté. Ah, ça aussi, c'était une belle occasion d'ouverture de la marque. On l'a dit un peu contre le cours du jeu, mais les Veuvezans doivent se méfier. Le ballon est pour les Vaudois. La touche est pour Martins qui va la jouer très rapidement sur Bouniakou. Le contrôle de Bouniakou qui va accélérer maintenant. C'est bien joué, Bouniakou. Le tir, pas si appuyé. Ouais, qui est tout de même relâché. Alors par Sbinden qui va en trois temps parvenir à s'en emparer. C'était une très très belle opportunité, mais il manque de puissance. Alors vraiment dans ce tir du meilleur buteur veuvezan. Rice Rocha, le coup de frein, c'est bien joué là, de la part du latéral avec une transversale, long ballon en avant. Ça sera pour Martins. Martins, il a Gabriel est à ses côtés. La talonnade, c'est bien joué. Gabriel est le centre tendu, c'est repoussé. Il me semble touché en tous les cas peut-être par le portier avec un tir d'Amada qui va passer assez largement à côté du but bernois. La constatation, hein, beaucoup travaillé sur ce flanc droit, encore une fois avec Rice Rocha qui a mis devant lui un centre tendu. Bouniakou, la reprise de Bouniakou qui manque son affaire. Alors s'il avait réussi son geste, on lui aurait embrassé les pieds, on lui aurait fait la fête à Bouniakou. Là en l'occurrence, il a manqué ce geste, il était audacieux, hein, ce geste, cette tentative pour venir tromper la vigilance du portier Sbinden. Ah, beaucoup hein, sur le détenteur du ballon qui est mis dans le rond central. Maintenant, la montée de Pétigna. Pétigna qui va venir à côté de lui. Maier en contre, Maier qui va passer. Maier, un tir, c'est sauvé du pied par Zimmermann qui parvient à s'interposer dans ce duel. Avec ce diable de Maier hein, qui s'est déjà créé quelques belles occasions depuis le début de ce match. La relance encore une fois pour Rice Rocha. Gabriele, la remise de Gabriele, elle est repoussée cette balle. Contrôlée par les Bernois qui repartent. Maier, il a face à lui Elefante. Maier, le crochet, oh, il va passer, c'est bien joué. Maier, le tir, oh, c'est superbe. Quel but marqué par Maier, le deuxième de la saison pour le numéro 10. Et qui a finalement remporté son duel face à la défense de Vevey United. On l'a dit depuis que les Veuvezans se créent un nombre incalculable d'occasions. Les Young Boys peuvent aller marquer ce premier but et contre-pied parfait là. Dans cette partie, après 25 minutes en seconde mi-temps, cette réussite alors qu'il a un début de crampe là. Nico Maier, le jeune de 19 ans de cette formation qui vient d'offrir l'ouverture de la marque à son équipe. Bien évidemment, ce but galvanise les Bernois qui repartent. Le contre, très bon travail de Fernandez. Greenwood là qui peut récupérer ce ballon maintenant. Avec la passe dans la profondeur, c'est bien joué sur Bouniakou. Bouniakou qui ouvre le pied et qui marque. L'égalisation, 27e minute dans cette seconde mi-temps. Ça n'a pas tardé, la réaction immédiate des Veuvezans et de Bouniakou qui marque son 7e but de la saison. Mais la passe, alors que dire de la passe? Elle est juste millimétrée de Fernandez Greenwood là qui trouve Bouniakou dans la profondeur. Et ce dernier alors qui conclut de magnifique manière, c'est un partout. Avec cette remise en jeu en faveur des Bernois. Et finalement l'interception. Martins maintenant. Martins qui vient à côté de lui. Avec la balle dans la profondeur. Bouniakou qui va affronter Malula. Bouniakou qui va déborder. C'est bien joué là de la part de Bouniakou. Bouniakou qui peut faire un crochet. Un ballon qui est repoussé. Gabriel qui marque. C'est dehors pour le FC Vevey United. Quelle persévérance. Encore une fois des Veuvezans. Et cette fois ces ballons qui finissent par rentrer au fond du but, ce qui avait manqué à l'équipe de Christophe Cachilli depuis le début de cette partie. Et Gabriele qui peut marquer pour le Vevey United son premier but de la saison et surtout permettre aux Vaudois de prendre l'avantage dans ce match. C'est 2-1. Ce coup franc que Rice Rocha va se charger de tirer lui-même. Il va chercher Bouniakou, il va trouver un adversaire. Ballon contrôlé, récupéré. Quelle belle récupération là de la part de Martins. C'est que le centre en retrait. Un ballon qui passe devant tout le monde. Petit tir croisé. Et c'est sauvé sur cet envoi de Tafai. Ah, c'était bien vu de la part de Tafai. Un ballon qui semble être sorti. Le jeu qui se poursuit, qui va être arrêté finalement. Ah, quelle belle occasion et quelle intelligence de la part de Bessart Tafai là, qui a préféré croiser, mais son tir
a manqué d'un tout petit peu de puissance. Une fois, Rice Rocha, on va décerner une palme particulière à Rice Rocha qui aura vraiment animé l'offensive veuvezane avec ce ballon remis instinctivement et dans la course de Martins. Un ballon qui est dégagé par la défense. Et l'intervention, il y aura un coup franc là, en faveur des joueurs bernois qui n'ont pas dit leur dernier mot. Il leur reste un peu moins de 5 minutes dans le temps réglementaire pour venir arracher le match nul. Très bon arbitrage encore une fois de la part de M. Tester là, qui appelle les deux joueurs. On s'est un peu brouillé là. Il a beaucoup de psychologie, il n'a pas le carton à la main. C'est souvent le cas, on met des cartons des fois qui peuvent pourrir le jeu. Là, très très bon arbitrage de M. Tester, arbitre de ce match. Beaucoup de psychologie. Et les Bernois au contrôle de ce ballon. Le buteur, Maier. Maier qui va glisser ce ballon à côté de lui. C'est bien joué pour Ballet. Nouvelle entrée, on joue rapidement avec Ballet qui va revenir sur le pied de Maier. Oh, le tir qui passe à côté. Quelle occasion! Quelle occasion d'égalisation là pour les Young Boys. Et par ce diable de Maier qui aura quand même donné pas mal de fil à retordre à la défense veuvezane. Fernandez Greenwood à la remise en jeu. Il a offert cette passe décisive tout à l'heure à Bouniakou pour le 1 partout. Protopapa, le crochet. C'est bien joué de la part de Protopapa qui met un petit coup d'accélérateur avec le tir sur le menton. Ah, le portier semblait tout de même sur la trajectoire. Là. Valerios Binden sur ce tir. Il avait la main en tous les cas dans la trajectoire du ballon. Si ce tir avait été cadré, il va pouvoir dégager. On est dans les arrêts de jeu hein, depuis bientôt 2 minutes. On va sectoriser ce corner là du côté de Vevel, jouer peut-être en 2 temps. En tous les cas, on se consulte entre Bouniakou et Tafai. Tafai en possession de ce ballon qui revient sur le pied de Bouniakou. Il le contrôle, il va gagner quelques précieuses secondes et c'est terminé la victoire de Vevey United. Il aura fallu attendre 3 ans pour venir cueillir une victoire face à l'excellent Young Boys sur cette marque de 2-1 après avoir encaissé ce premier but. Domination des Veveysans hein, qui ont manqué de réalisme dans des moments importants, qui ont su réagir après le 1-0 de Maier. Le superbe but de Maier pour marquer par Bouniakou et finalement par Gabriele pour s'octroyer une précieuse victoire qui leur permet de prendre la 2e place provisoire. La prochaine journée pour les deux équipes, le 21 septembre, Nathers qui accueillera IB, là ça promet également. Et puis le lendemain, l'Olympique de Genève qui en découdra avec Vevey United. Avant de nous quitter, on entend quelques réactions sur ce succès des joueurs du stade de Copé. IB aurait mérité de faire un point ce soir contre une bonne équipe de Vevey, il faut le dire. Ils ont une équipe avec de l'expérience, sur le plan athlétique, ils étaient très présents. Nous, on est une équipe qui est très très jeune. Hein. On a des joueurs qui sont nés en 2000, 2001, 2002. Ils doivent apprendre ce genre de match-là parce que quand on ouvre le score, c'était la chose la plus difficile à faire ce soir. On mène 1-0 et puis derrière, dans les 5 minutes suivantes, on sait qu'il faut être... Il faut faire quelque chose, il faut casser un petit peu le match, casser un petit peu le rythme. Et nous, on est tombé un petit peu dans le piège, on s'est fait piéger par une équipe expérimentée. Mais voilà, on fait de la formation, on apprend, les jeunes apprennent tous les jours. Ça leur fait du bien de ce genre de match-là pour leur apprentissage et puis naturellement de ne pas répéter les petites erreurs de concentration. Et puis la prochaine fois, que lorsqu'il y aura un match de la même facture, on soit capable de bien répondre à l'adversaire. Voilà, vous faites partie de la formation, hein, on a vu, il y a eu un changement assez rapide. Là, vous avez vu depuis la tribune certainement un petit défaut là, sur le terrain. Oui, on était en difficulté sur les changements de côté de la part de Vevey parce qu'on était en infériorité numérique sur les côtés. Donc voilà, on a discuté avec le coach depuis la tribune, c'est beaucoup plus facile de voir certaines choses. Et puis en parlant avec le coach, il a rectifié par rapport à ce que je lui ai dit, mais c'est lui qui décide à la fin hein, s'il faut changer ou pas. Puis je pense que c'était juste, on était en grande difficulté sur les changements de côté, notamment on venait toujours à 2 contre 1 sur nos côtés. Et surtout sur le côté de Gilberto là, qui a fait un bon match sur le plan offensif. On le connaît, il est capable d'apporter le feu sur le côté. On a fait la correction, mais après ça ne nous a pas empêché de perdre ce match. Mais je ne pense pas qu'on l'a perdu de cette façon-là. On l'a perdu parce qu'à un moment donné, quand on ouvre le score, je le répète, on doit être capable de gérer, de casser un peu le rythme, de garder un peu le ballon, de ne pas perdre trop vite le ballon, d'être un petit peu plus malin, je dirais, avec le ballon, et d'être un peu moins naïf. Mais bon, voilà, c'est des joueurs qui ont 17, 18,
quelques 19, ils doivent passer par là pour leur progression, puis un jour de pas répéter ces mêmes erreurs. Ça fait toujours plaisir de marquer, puis c'est 3 points très importants. Après la défaite de samedi à Nanterre, il fallait qu'on gagne ce soir, et puis en plus je marque, c'est encore mieux. Vous avez fait 2 matchs à 1 point, il fallait vraiment se reprendre. Hein. On a dit ouais, Vevey, mais Vevey ce soir s'est bien repris. Puis à la mi-temps, ça aurait pu être aussi 2-0 pour vous. Oui, c'est clair qu'on a eu pas mal d'occasions, on en a loupé quelques-unes. Puis au final, on a gagné, c'est ça le plus important. On n'a rien lâché. Voilà, mais peu importe qui c'est qui marque à Vevey, mais il faut que tout le monde puisse marquer une fois. Hein. Oui, tout le monde peut marquer, c'est ça qui est bien à Vevey. Il y a tout le monde qui a les qualités pour marquer. Bon, on a vu Gentian ce soir, pas trop en réussite, par contre il met un magnifique but. Ah oui, mais c'est un buteur, hein. c'est son rôle, et puis il met un magnifique but, en plus l'égalisation, ça nous a boosté, c'est ça qui est bien. Prochain match, Olympique Genève, un peu une peau de banane, vice versa comme à chaud de fond, sur terrain synthétique qui puisait, il faudra vraiment comptabiliser les 3 points là-bas. Alors nous, on va aller là-bas pour gagner. Après, je sais que ça va être dur parce que c'est une équipe genevoise, c'est des combattants, donc on va se battre pour gagner. Bah déjà, une victoire, ça fait du bien. C'est vrai que quand on fait match nul à chaud de fond et qu'on perd à Nanterre, c'est là qu'on savoure et qu'on voit à quel point c'est bon de gagner. Sur ce match-là, même si on est mené au score, à mon avis, un petit peu contre le cours du jeu, au vu de notre première mi-temps, qui je pense est la plus aboutie de la saison pour l'instant. Je pense qu'on aurait mérité mieux, on manque juste un petit peu d'efficacité dans la dernière passe. Mais il était dit que pour ce match soit vraiment parfait, il fallait un scénario un peu difficile, ce qui a permis de mettre en avant le caractère des joueurs. Parce que déjà après, un revers à chaud de fond, c'est un match nul, un point de prix quand même. Et le revers de Nanterre, il fallait réagir. On dit toujours que les grandes équipes ne perdent jamais 2 fois. Ce soir, Vevey l'a montré. Quoi. Voilà, un beau cadeau aussi pour votre coach adjoint, hein, qui va se marier, on peut en dire un mot. Ah, justement, on avait un peu parlé de ça avant le match. Faut féliciter les joueurs parce qu'on leur avait demandé de mettre en avant des valeurs humaines. Je crois qu'aujourd'hui, ils l'ont montré sur le terrain. Il y a eu un très beau match de football. Mais bon, vous ne savez pas tout, mais ce qui se passe dans les vestiaires, c'est juste magnifique. Donc, faut tirer un coup de chapeau aux joueurs par rapport à ce qu'ils ont fait ce soir, mais aussi par rapport aux valeurs qu'ils véhiculent, parce qu'on peut tous être fiers d'eux. Il y a un monsieur qu'il faut remercier aussi, hein. On sait qu'il arrête, hein. En tout cas comme coach adjoint, c'est Metin Karagül. Oui, il arrête en tant que coach adjoint, mais on va lui trouver, je pense, un poste dans lequel il va prendre son plaisir, et puis aussi qui apportera quelque chose au club. En tout cas, c'est une belle personne, lui aussi, et j'espère que tout va bien se passer. Voilà, prochain match, Olympique Genève. Hein. Vous, un terrain synthétique où c'est difficile de se... Vous allez vous entraîner certainement ici à Vevey, pas mal de temps sur le terrain synthétique. Exactement, peut-être que je vais vous prendre dans le staff du coup, parce que vous avez tout prévu. Oui, on va faire la semaine prochaine toutes les séances sur le synthétique. D'ailleurs, il faut remercier mes éducateurs de club, ils sont incroyables parce qu'ils me laissent justement la place. Enfin, ils s'arrangent toujours, c'est la grande classe. Et on va préparer au mieux ce déplacement qui est très périlleux, mais on ira aller filmer mercredi parce qu'ils jouent à chaud de fond. Et j'aurai des infos sur leur match de Bavois, puisque je vais appeler le coach de Bavois.